Ce monde est incroyable, et si vous passez suffisamment de temps dans la nature, tôt ou tard, vous verrez quelque chose qui vous fera vous retourner sur place. Dans cette vidéo, nous avons répertorié les choses les plus étranges qui se sont produites dans la nature. Des volcans de boue aux tornades de feu, en passant par un chameau sans tête et un élan qui court sur l'eau, vous serez certainement surpris. Amazing! Woohoo! 13. Cascade de feu à Horsetail Fall. Les chutes d'eau sont magnifiques, mais avez-vous déjà vu une chute de feu? Voici Horsetail Fall, l'un des spectacles les plus étonnants du parc national de Yosemite. Cette petite chute d'eau ne coule généralement qu'en hiver. Mais en de rares occasions, en février, le soleil couchant la frappe sous le bon angle et illumine sa partie supérieure. Cet effet lumineux unique lui donne une belle lueur orange et la transforme en spectaculaire cascade de feu naturelle. Chaque année, des milliers de spectateurs affluent pour voir ce phénomène. Mais certains risquent de repartir déçus. En effet, en plus de devoir attendre le moment exact où la cascade coule, l'effet spécial cascade de feu ne se produit que les soirs où le ciel est dégagé. Le moindre nuage ou la moindre brume peut considérablement diminuer cet effet. 12. Vol des étourneaux. Les étourneaux sont des oiseaux très sociaux qui vivent partout dans le monde. Leur plumage chatoyant est parsemé de taches claires au point qu'on les compare parfois à un ciel nocturne étoilé. On sait beaucoup de choses sur eux, mais une chose reste un grand mystère. Comment font-ils pour voler en si grand groupe sans se heurter? Les murmurations sont en fait d'énormes groupes d'étourneaux qui exécutent une danse aérienne à l'unisson. Ce faisant, ils créent de magnifiques nuages changeant de forme dans le ciel. Ce spectacle inhabituel est le rêve de tout photographe. Quelle forme voyez-vous dans ces images? 11. Des éclairs en continu. Chasser des orages est souvent pratiqué par curiosité, par esprit d'aventure, par recherche scientifique ou parce qu'on doit rédiger un article. La plupart des chasseurs d'orages ont déjà vu un certain nombre de phénomènes naturels impressionnants. Mais un jour, alors qu'il était en voiture, ce chasseur d'orages du Nebraska n'en a pas cru ses yeux. Le Nebraska a l'habitude des orages en été et au début, rien d'inhabituel ne semblait se produire. Mais il est vite devenu évident que Mère Nature préparait quelque chose d'inhabituel. Cette tempête avait tellement d'éclairs que ça ne semblait pas vouloir s'arrêter. Et à chaque minute qui passait, de plus en plus d'éclairs étaient visibles. Quel spectacle incroyable! 10. Cheveux de glace. Le phénomène quelque peu inhabituel des cheveux de glace doit son nom à son apparence. Quand vous regardez ses cheveux fins et soyeux, il est facile de comprendre pourquoi. La glace a tendance à apparaître sur le bois humide et pourri des feuillus, un type d'arbre comme le chêne, mais pour cela, elle a besoin de deux conditions. L'air doit être humide et les températures doivent être légèrement inférieures à 0 degré. Depuis sa découverte au début des années 1900, les experts ont toujours supposé qu'une sorte de champignon était responsable. Mais pendant de nombreuses années, l'identité du champignon est restée inconnue. Jusqu'à ce que, en 2015, des scientifiques allemands et suisses identifient le champignon Exidiopsis effusa. 9. Le lac Quindi. Vous avez vu des forêts et vous avez vu des lacs. Mais avez-vous déjà vu une forêt au milieu d'un lac? Il s'agit du lac Quindi, une forêt sous-marine fantomatique dans la région d'Almaty, au Kazakhstan. La forêt submergée est parfaitement préservée dans un lac entouré de mystères. Et ce paysage unique en son genre attire les photographes et les amoureux de la nature du monde entier. Le lac s'est formé après un tremblement de terre en 1911. Le tremblement de terre a provoqué un important glissement de terrain et l'eau de pluie a ensuite rempli la vallée et créé le lac. Les arbres sont morts depuis, mais les troncs sont parfaitement conservés. Et la vue sous l'eau est tout aussi impressionnante qu'en surface. C'est une destination tout droit sortie d'un conte de fées, avec une petite touche inquiétante. 8. Un élan qui court sur l'eau. Un jour, Christy Panipchuk naviguait à toute allure sur une rivière d'Alaska lorsqu'un élan l'a soudainement rejointe. Il semblait être d'humeur à courir, et il allait si vite qu'il semblait marcher sur l'eau. La vidéo est rapidement devenue virale. Beaucoup ont cru qu'il s'agissait d'une illusion d'optique. Selon eux, l'élan ne courait pas vraiment à la surface de l'eau, mais plutôt en eau profonde. D'autres ont été plus étonnés, cependant. Pour eux, le fait que la rivière soit suffisamment profonde pour qu'un bateau puisse y naviguer est la preuve que ce moment est vraiment incroyable. Qu'en pensez-vous? 7. Les mutants de Tchernobyl. La catastrophe de Tchernobyl est l'accident nucléaire le plus meurtrier de l'histoire. Elle s'est produite en 1986 dans le nord de l'Ukraine. La centrale nucléaire de Tchernobyl est devenue incontrôlable lors d'un test, ce qui a provoqué une explosion et un incendie massif.
Le bâtiment du réacteur a été démoli et de grandes quantités de radiation ont été libérées dans l'atmosphère. Les habitants du coin ont dû être évacués immédiatement et pendant plusieurs décennies, la zone a été complètement vide. Cependant, en raison de l'absence d'habitants, la zone est étonnamment devenue un refuge pour toutes sortes d'animaux. Et certains de ces animaux semblent être un peu... bizarres. Il suffit de regarder cette créature qui traverse la route par exemple. À ce jour, on ne sait toujours pas exactement ce qu'est cet animal, mais quoi qu'il en soit, une chose est sûre. Il ne ressemble probablement à rien de ce que vous avez déjà vu. On se demande alors quelle autre créature inhabituelle pourrait vivre dans les bois de Tchernobyl. 6. Volcan de boue de Gobustan. Les bains de boue font fureur. Ils sont profondément relaxants et ils soulageraient les symptômes des affections cutanées et atténueraient les courbatures et les douleurs articulaires. Mais avez-vous déjà entendu parler d'un volcan de boue? Les volcans de boue sont formés sous terre par de l'eau, des minéraux et des gaz inflammables. Et l'Azerbaïdjan en compte beaucoup. Environ 400 des 1000 volcans de boue estimés dans le monde s'y trouvent. Le parc national de Gobustan est notamment réputé pour son paysage unique de volcans de boue. Les gaz libérés des profondeurs de la terre font bouillonner les volcans de boue et le liquide épais et froid ne cesse de monter. Pour une raison quelconque, la vue combinée au son est étrangement satisfaisante. Écoutez ça. À quoi ces sons vous font-ils penser? 5. Le camouflage du renne. À première vue, on a l'impression de ne voir que deux tas de neige avec des bouts de bois, mais attendez de voir ce qui va se passer. Alors que l'homme s'approche de deux bosses, l'une d'entre elles commence à bouger un peu et, apparemment de nulle part, le renne se lève et s'enfuit. Il se cachait sous la neige. Quel camouflage étonnant! Ce que l'homme fait ensuite est un peu moins sympa cependant. L'autre renne n'a pas encore remarqué ce qui se passe et dort profondément. Mais dès que l'homme le pique avec un bâton, il se lève aussi, secoue la neige de son pelage et s'enfuit. Il semble un peu désorienté et si vous avez déjà été réveillé d'un profond sommeil, vous savez exactement à quel point cela peut être désagréable. 4. Chute de sable. Vous savez maintenant qu'outre les chutes d'eau, il existe aussi des chutes de feu. Mais avez-vous déjà entendu parler des chutes de sable? Ce phénomène se produit en Arabie Saoudite et les vidéos de ce phénomène sont devenues virales depuis de nombreuses années. Les images montrent du sable se comportant apparemment comme de l'eau et se déversant sur une falaise. Le spectacle est sans aucun doute incroyable, mais beaucoup l'ont également critiqué, pensant qu'il était faux. Certains ont même affirmé que les chutes du Niagara avaient été superposées à une vidéo du désert d'Arabie Saoudite. Mais il s'avère que la vidéo n'est pas du tout truquée. Cependant, il est peut-être un peu exagéré de parler de chutes de sable. En effet, si l'Arabie Saoudite n'a pas beaucoup de rivières permanentes, la région où se trouvent ces soi-disant chutes de sable a des lits de rivières asséchées. Ces lits de rivières sont parfois inondés après une forte pluie. Et ces chutes d'eau massives transportent beaucoup de sable, donnant ce résultat impressionnant. 3. Canyon Cristales. Cette beauté naturelle exceptionnelle et surprenante s'appelle Canyon Cristales. Cette rivière unique est située au fin fond de la jungle colombienne et c'est un paradis pour les amateurs d'aventure. Chaque année, les photographes et les amoureux de la nature affluent dans ce lieu. Cette rivière vibrante est connue pour ses couleurs saisissantes et on l'appelle communément la rivière aux cinq couleurs ou l'arc-en-ciel liquide. De fin juillet à novembre, le lit de la rivière prend des couleurs variées, du jaune et du vert au bleu et au noir. Mais la couleur rouge en particulier est vraiment spéciale. Cette teinte est due à une petite plante rouge vif qui pousse sur le lit de la rivière, à savoir la plante Macarena clavigera. 2. Tornades de feu. Les tornades de feu sont des vortex tourbillonnants constitués d'une combinaison mortelle de gaz, de fumée et de feu. Elles sont chaudes et dangereuses et lorsqu'elles se produisent, il faut absolument s'en éloigner. Les tornades de feu se forment lorsque la chaleur intense d'un feu très chaud s'élève et que l'air environnant se précipite pour prendre sa place. Cela crée alors une colonne d'air en rotation mortelle. Comme dans le cas d'une tornade ordinaire, presque rien ne peut s'opposer à une tornade de feu, pas même les pompiers. Regardez cette vidéo qui montre comment elle aspire facilement un tuyau d'incendie entier. 1. Chameau sans tête. Vous vous souvenez des mutations de Tchernobyl? Eh bien, voici une autre créature inhabituelle. Le chameau se pavane comme si tout allait bien, mais il devient vite évident que quelque chose ne va pas. Où est la tête du chameau? Et comment peut-il marcher et encore moins vivre sans cerveau? Ce n'est pas non plus le seul chameau sans tête. De nombreuses autres images ont montré des chameaux auxquels il semble manquer une partie importante du corps. Qu'est-ce qui se passe ici?
Avant de paniquer, sachez que ce mystère n'est pas aussi effrayant qu'il n'y paraît. Et lorsque le chameau se retourne, il devient évident que ce n'est rien de plus qu'une illusion d'optique parfaitement synchronisée. Il avait une tête depuis le début, il regardait simplement ailleurs. Et les autres chameaux sans tête? C'est la même histoire. Je sais pas pour vous, mais je suis bluffé. Lequel de ces phénomènes est le plus incroyable? Partagez votre réponse dans les commentaires. Et si vous avez déjà été témoin d'un événement naturel inhabituel, n'oubliez pas de le partager. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et n'oubliez pas de venir voir notre chaîne pour d'autres vidéos intéressantes.